يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حيا الله الجميع Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui aura lieu en français. Il y a certains frères qui ont demandé à ce qu'elle soit en arabe, donc peut-être, Inch'Allah, qu'on va la refaire d'une autre manière, on va changer le contenu. Mais l'essentiel, c'est qu'on va parler de la DPJ et je vais rapidement commencer par vous exposer les points que nous allons aborder ce soir. Je vais tout d'abord expliquer rapidement le choix du sujet. Deuxième point, la DPJ ou le DPJ en bref. Avoir une idée. Troisièmement, la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, et la réforme attendue, parce qu'il va y avoir une réforme à l'automne prochain. Et enfin, notre position en tant que communauté musulmane, parce que nous sommes absents. Quand je dis nous sommes absents, aujourd'hui, la communauté musulmane est l'une des communautés les plus présentes, surtout à Montréal, pour ne pas dire au Québec, mais lors des consultations, lors de la prise de décision, la communauté n'était pas représentée, n'a pas été consultée, n'a pas participé. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Il ne s'agit pas d'une enquête, il ne s'agit pas d'une étude quantitative, il s'agit peut-être de perception de ce que j'ai pu vivre lors de la dernière année avec la pandémie, énormément de familles en détresse. Énormément de rencontres. Les frères peuvent en attester à chaque fois. Il y a des familles qui viennent me voir et toutes ces familles ont un point commun. On a retiré leur adolescente ou leur adolescent. Placé dans un centre de jeunesse, le terme a changé bien entendu, des fois dans des familles d'accueil, et ces familles sont désarmées, dépourvues, sur le plan juridique, sur le plan financier. Ces familles-là ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas à quelle porte cogner et ne s'attendaient même pas à vivre cela. Vous savez, le maghrébin, parce qu'on est à l'est de Montréal, principalement nous sommes des maghrébins, les marocains, algériens, tunisiens, ne viennent ici avant tout, quand on leur pose la question « Pourquoi vous êtes là ?» ils disent « Pour l'avenir de nos enfants ». Je pense que c'est la réponse la plus répandue. Mais quand ils se rendent compte qu'avec un signalement, cet enfant-là peut être retiré facilement de la famille biologique. J'utilise la famille biologique intentionnellement. C'est que la réforme phare de la DPJ, de la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, attendue pour l'automne prochain, va retirer le principe de la primauté de l'autorité parentale. Déjà dans les faits, dans la culture de la DPJ, la famille d'accueil a maintenant plus de poids, je dirais. Le sentiment d'attachement devant les tribunaux est pris en considération plus que le lien biologique. Sauf que la loi a stipulé que la famille biologique, elle a préséance. Et ça va être réformé en plus. Donc, non seulement il va y avoir un problème dans l'application, mais aussi dans la loi elle-même. Alors, les familles sont en détresse, on a des jeunes qui sont privés de leur famille biologique, de leurs parents. Il y a une adolescente dernièrement qui appelait sa mère en pleurs, elle veut revenir chez ses parents, et la DPJ s'oppose à ce retour. J'ai un autre cas d'une adolescente. La DPJ lui a dit, tu peux témoigner et on va préserver la confidentialité de ton témoignage. La jeune fille, elle a témoigné contre sa mère et son père. La mère maintenant est accusée au criminel. Et des accusations très graves. Le père est aussi accusé, mais par voie, non pas criminel, par voie sommaire. Je ne veux pas donner plus de détails parce qu'il s'agit de confidentialité des dossiers, mais seulement pour vous dire que ces familles-là se sont retrouvées confrontées
à cette famille, par exemple, qui n'a pas les moyens d'engager un avocat pour le mari, un avocat pour pour l'épouse, pour les poursuites au niveau criminel, des avocats, chacun à part pour la DPJ, pour la garde, la récupération de l'enfant. Et ça leur coûte, hein, j'ai calculé avec eux, on était rendu à peu près à 30 000 dollars. Alors imaginez. Et la fille qui appelle, qui pleure, elle leur a dit, ils m'ont juré que vous ne risquez rien. Et tout ce que j'ai dit, c'est qu'on avait... C'est une adolescence, dans toutes les familles ici, au Québec, ailleurs, le jeune, vers l'âge de l'adolescence, passe par une crise, par un moment difficile, où les relations interpersonnelles avec ses parents sont tendues, où est-ce qu'il veut défier l'autorité. Alors à ce moment-là, quand la DPJ rentre en considération, prend le dossier en main, ce qui se passe, c'est qu'on promet aux jeunes la confidentialité. Mais ces propos recueillis sont donnés automatiquement, systématiquement, je dirais, à la police. Et là, la famille se retrouve dans de beaux draps. Poursuite au criminel, en plus du retrait de l'enfant. Aussi, ce qui me pousse à choisir ce sujet, et je pense qu'on devrait en parler plus souvent, c'est le manque de connaissances chez la communauté. Vous savez, la communauté musulmane, c'est une communauté qui est jeune. On a une moyenne d'âge de 28 ans. Chaque année, il y a 50 000 immigrants qui entrent au Québec, et ces 50 000 immigrants sont en majorité des francophones qui viennent de deux régions du monde. Le Maghreb et le Sahel, juste par la suite. Et il y a aussi la France aujourd'hui. Mais quand on vérifie le nombre de Français présents ici, vous allez vous rendre compte que la plupart des Français qui viennent sont des descendants de la première génération de Maghrébins. Donc il y a énormément de musulmans qui rentrent chaque année. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils ne connaissent pas cette loi. Ils ne savent pas qu'au Québec, leur autorité parentale n'est pas au-dessus de toutes les autorités. L'État peut facilement leur retirer leurs enfants. Et vous savez, la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, elle s'applique non seulement aux résidents, toute personne de passage au Québec. Toute personne de passage, que tu sois un réfugié, que tu sois un touriste. Alors, les gens ne sont pas au courant. Ils viennent, puis ils s'installent, et après, je reçois des mères, des pères en pleurs, qui disent, ma fille, tu as le Akhil Karim, si seulement c'était ça, ta fille ne mange pas, il n'y a pas seulement ça, il y a plus. Donc, ça c'est généralement le premier point, grosso modo, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là. Donc, il y a un manque de connaissances, il faudrait que les imams soient formés, que les centres communautaires, les mosquées soient sensibilisées, et surtout les nouveaux arrivants. Moi, j'avais rêvé, s'il y a des frères qui ont les compétences, d'avoir un site. Et dans ce site-là, on outille le nouvel arrivant. Celui qui arrive, la famille qui vient d'arriver, on leur dit, voici tes droits, et voici ce que tu risques, et voici ce que tu es censé savoir. Parce que lors des consultations sur la LPJ, vous savez, la position gouvernementale, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ne respectes pas la loi et qu'on te retire tes enfants, c'est ta faute. Parce que tu es censé t'informer. Maintenant, la DPJ ou le DPJ en bref. Que signifie le sigle DPJ? Quand c'est au masculin, c'est le directeur de la protection de la jeunesse. Quand c'est au féminin, c'est la direction de la protection de la jeunesse, et c'est-à-dire, c'est le directeur et le personnel administratif et les personnes ressources qui travaillent sous son autorité pour, d'une certaine manière, appliquer la LPJ. La LPJ, c'est la fameuse loi sur la protection de la jeunesse. On va en parler plus tard. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il y avait dans chaque région un représentant, un directeur chargé d'appliquer la loi sur la protection de la jeunesse. Eh bien, le gouvernement de la CAQ, qui pendant des années nous avait d'une certaine manière cassé les oreilles sur la centralisation et qu'il fallait avoir moins de bureaucratie, est en train de centraliser tous les pouvoirs et il va nommer un directeur sur la protection de la jeunesse qui va avoir le grade de sous-ministre. Alors, la LPJ, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle dit qu'elle s'applique aux enfants qui vivent des situations qui compromettent ou qui peuvent compromettre. Qui compromettent, on comprend.
qui peuvent compromettre, c'est-à-dire que on va se transposer dans l'avenir. Alors, leur sécurité ou leur développement, okay, qui compromettent, on peut comprendre. Il y a une situation alarmante, maintenant, qui peuvent compromettre, il y a une part de subjectivité. Leur sécurité ou leur développement. La sécurité, on comprend, mais le développement, qu'est-ce qu'on entend par un développement? Est-ce que, par exemple, un ado qui n'est pas en accord avec l'autorité parentale, la vision du monde de son père ou d'une adolescente, avec la vision du monde de sa mère, son développement est brimé par l'éducation, par la religion, par la culture? Qui va décider? C'est la personne qui est en charge du dossier. Alors, dans LPJ, le terme enfant renvoie à un jeune qui a moins de 18 ans. Donc, les adolescents sont inclus. Vous savez, la réforme attendue pour l'automne prochain, elle stipule qu'il doit y avoir un accompagnement du jeune jusqu'à 21 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de la DPJ, des jeunes de la DPJ qui sont devenus des adultes, qui ont dit on a été abandonnés à notre sort. Et il n'y avait personne pour nous encadrer. Donc, l'intention est toujours bonne, mais l'application, c'est autre chose. Alors, la DPJ travaille normalement au sein d'un centre intégré des services de santé, des services sociaux, ou bien dans un centre universitaire, un intégré universitaire de santé, des services sociaux, qui offre normalement des services de protection. Avant, on les appelait des centres de jeunesse. L'appellation a changé. Alors, maintenant, le rôle de la DPJ ou du DPJ, directeur de protection de jeunesse, quel est son rôle? Son rôle, c'est qu'il intervient auprès des parents et de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, souligner l'intérêt de l'enfant, dans le respect de ses droits, toujours les droits de l'enfant. Son intervention, elle doit viser deux choses. Mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement. Vous savez, quand je dis développement, j'insiste toujours, développement, c'est la loi, mais en plus, je ne sais pas si vous réalisez. Je vous donne des exemples que vous compreniez. Dernièrement, il y avait une adolescente qui avait eu un problème avec sa mère. Son frère, il a dit à sa sœur, ben, sois poli, parle pas à ma mère sur ce ton-là. Signalement à la DPJ qui débarque. Là, le jeune est suivi pendant des mois. Je ne vais pas donner plus de détails pour qu'on ne reconnaisse pas les dossiers. Et ce qu'on le reproche, ce qu'on a dit au jeune, on lui a dit, est-ce que tu joues les grands frères? Si ta sœur est un chum, est-ce que tu vas intervenir? Est-ce que tu t'occupes de ce que fait ta sœur? Si ta sœur porte un pantalon serré, c'est ce qu'on lui a posé comme question. Est-ce que tu vas être gêné? Là, le jeune, s'il répond, la personne fait un rapport. Le jeune doit être suivi. Parce que dans sa vision du monde, qui n'est pas islamique, ce jeune-là, s'il intervient de la sorte avec sa sœur, ben, il reproduit un modèle patriarcal, donc c'est l'autorité. On va voir que la LPJ a été légiférée dans un contexte de réaction par rapport à l'autorité du mari, de l'homme, et par rapport au pouvoir de l'Église, de la religion. Donc c'est dans ce contexte historique qu'elle a été légiférée, cette loi. Alors, deuxièmement, donc, il doit mettre fin à la situation et il doit éviter que cette situation se reproduise. Donc il y a un suivi. Généralement, les familles viennent me voir, elles sont suivies pour un an, pour 6 mois. L'enfant est placé dans un centre pendant 3 mois. Ensuite, il va revenir à la maison pour 80% du temps, 20% il va le passer dans le centre. Après, il va y avoir des rencontres. Maintenant, quand est-ce que la DPJ intervient? Dans 7 situations, grosso modo, je vais vous le dire rapidement. Premièrement, lorsque un enfant est abandonné, ou l'enfant, deuxièmement, est victime de négligence, dans tous les sens. Négligence, il y a longtemps, il y a quelqu'un qui vivait une situation précaire, qui était venu me voir, il avait rendez-vous avec la DPJ,
Je lui ai posé comme question, est-ce que tes enfants ont une chambre? Il m'a dit, je viens de débarquer, je n'ai pas les moyens, j'habite dans un taudis, plein de moisissures, pas de chambre des enfants. On comprend, il y a négligence. Karim, si tu n'as pas les moyens, viens nous voir. On peut t'envoyer des jeunes, mettre la peinture, on peut contacter des personnes qui vont t'enlever la moisissure de chez toi, on va t'acheter un bureau, une bibliothèque, des lits pour tes enfants. Et tu ne peux pas faire vivre tes enfants dans un taudis pareil, après te plaindre. C'est pour ça que je dis qu'il faut sensibiliser. Même si ce que je raconte est normalement très minoritaire. Si on prend notre communauté, et je ne le fais pas parce qu'on est en train de prêcher pour notre paroisse, pour réemployer un terme catholique, c'est pas qu'on est en train de défendre notre cause, c'est qu'on connaît notre communauté. Les gens qui viennent de nos pays d'origine arrachent leur chair, la vendent pour leurs enfants. Ils vivent d'une certaine manière, l'une de leurs raisons de vivre, c'est éduquer ces enfants-là selon leur vision du monde, selon Charallah Azzawajal. C'est ça leur objectif principal, en principe. Alors, troisièmement, les enfants qui sont victimes d'abus psychologiques. Quatrièmement, enfants victimes d'abus sexuels. Cinquièmement, enfants victimes d'abus physiques, violences. Sixièmement, enfants aux prises avec des troubles de comportement sérieux. Donc, il y avait un cas où est-ce que un ado avait un problème de comportement à l'école, chez sa famille, partout dans le quartier, et la DPJ a embarqué parce que ses parents ne sont pas outillés pour l'éduquer, ne peuvent pas l'encadrer, ils sont dépassés. Et la DPJ, les représentants, ont estimé que ces parents-là n'avaient pas la formation requise, ne savaient pas comment éduquer leur enfant. L'adolescent leur tenait tête. C'est pour cela que la formation doit être prodiguée aux parents, mais aussi aux ados. Il faut que l'adolescent comprenne ce qu'il risque. Parce que la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui était en train de pleurnicher pour revoir sa mère, fini. Elle ne peut plus voir sa mère. Sa mère risque la prison. Elle regrette amèrement. Et maintenant, elle dit, si j'avais su, je n'aurais pas fait. Tu peux inventer des situations et perdre, subhanallah, des êtres chers pour très longtemps. Alors, septièmement, quand l'enfant est exposé à un risque sérieux d'être victime de négligence, d'abus sexuels ou d'abus physiques, blablabla, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signalement, généralement par téléphone, et suite au signalement, la DPJ ou le DPJ examine la situation, est-ce qu'il doit agir ou rejeter le signalement? Vous savez, moi j'ai des exemples de signalement où est-ce que l'école islamique a appelé, a fait un faux signalement. Alors, j'ai des exemples, j'enseigne ici depuis 96, et je vous dirais qu'il n'y a pas seulement le voisin raciste qui appelle, il n'y a pas seulement l'enfant qui veut plus de liberté, qui fait du chantage, il n'y a pas seulement ça. Des fois, il y a des personnes de bonne foi, mais qui font des erreurs. Et une fois que c'est dans le système, va les convaincre que c'est une erreur. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un point très important, les pouvoirs conférés aux DPJ sont si larges qu'ils ont préséance sur le code civil. C'est incroyable. Ils ont des pouvoirs larges. Vous savez, au Canada, je pourrais vous dire qu'il y a trois organismes qui ont les pleins pouvoirs. Même si on va vous dire non, c'est faux. Il y a le DPJ, il y a le fisc. Le fisc qui peut fouiller ta vie, il y a le SCRS, Service de renseignement canadien. Ça, c'est les trois qui ont des pouvoirs très larges de faire ce qu'ils veulent. Et il y a un encadrement, mais un encadrement qui n'est pas vraiment parfait. Alors, ça, c'est pour les pouvoirs qui ont préséance. Et vous savez, c'est quand je dis les pouvoirs ont préséance sur le code civil, ils peuvent par exemple outrepasser le droit des parents. Les parents veulent donner des soins particuliers à leur enfant et le DPJ, le directeur de la protection de la jeunesse, peut décider d'autres soins. Ils peuvent même interdire les relations entre enfants et parents. Ça va aussi loin que ça. Maintenant, troisièmement, la LPJ est la réforme attendue. L'une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la LPJ est normalement une loi d'exception. Elle a 40 ans aujourd'hui.
Et c'est une loi qui était d'exception. Il y a un juge à la retraite. Ce juge à la retraite, Jacques Roy, il a enseigné le droit à l'Université de Montréal. Et lui, il dit que la LPJ, c'est normalement le dernier arrêt du métro. Une métaphore pour nous expliquer, c'est-à-dire c'est le dernier recours. C'est pas à chaque fois il y a un signalement. Sauf que j'ai pas le temps de vous exposer le bilan 2020 de la DPJ à Montréal, vous allez voir, c'est incroyable le nombre de signalements. C'est des milliers. Alors, contexte historique. 1975, le ministre de la Justice de l'époque, qui était Jérôme Choquette, fait adopter une première loi sur la protection de la jeunesse, 1975. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, le ministre à l'époque? Il avait dit, je le cite, « Cette nouvelle loi allait à l'encontre de notre tradition juridique, du secret professionnel et de la puissance paternelle. » Donc la loi, elle va contre deux choses. Le secret professionnel et la puissance paternelle. Alors, puissance paternelle, qu'est-ce qu'on entend par puissance paternelle? Alors, on se met en 1975, avant la Révolution tranquille au Québec, il y avait la puissance paternelle maritale, celle du père ou dominer le père, parce qu'il était le mâle. Le mâle avec accent circonflexe, bien sûr. Alors, il y avait une forme d'autoritarisme chez ce père et la femme n'avait pas des droits. Je parle du contexte du Québec d'avant la Révolution tranquille. Alors, la femme était assujettie au mari, les enfants aussi, tout le monde était assujetti au père. Donc, c'est une société patriarcale. Alors, le Code civil, il a fini par reconnaître l'autorité parentale, mais aussi l'autorité de la mère. Alors, c'était la fin de ce qu'on appelle la puissance maritale. La puissance, la domination du père. Alors maintenant, c'est les deux qui sont, d'une certaine manière... Alors, il n'y avait plus de discrimination. Ça, c'est l'esprit de l'époque. Et aussi, il y avait l'Église catholique qui contrôlait la santé, l'éducation, qui était très puissante ici. Alors, l'Église exerçait un pouvoir réel. Et ce qu'ils ont fait d'une certaine manière, ils ont enlevé le pouvoir au mari, au père et à l'Église. Donc la loi, dans son esprit initial, elle est contre deux choses. Contre la puissance autoritaire du père et de la religion. Et ce qu'elle essaie de faire, elle essaie de centrer le pouvoir entre les mains de l'enfant. Il est encore petit. Donc ça va être quelqu'un qui va décider pour lui, l'État, et l'adolescent. Alors, c'est pour vous dire pourquoi il y a tellement de problèmes d'adolescents, d'adolescentes au niveau de la communauté, c'est que les adolescents grandissent avec l'écho qui arrive à leurs oreilles que « Ah, la DPJ peut intervenir ». Alors, il y a certains ados qui commencent à utiliser cela comme chantage pour faire chanter leurs parents. Et j'ai des cas réels où l'enfant est conscient, puis dit à son père, ben, c'est trop, moi j'ai ma liberté, tu peux pas me traiter comme ça. Et j'ai des cas où est-ce que des jeunes ont inventé, et alhamdoulilah, on a gagné devant les tribunaux, ils ont inventé comme quoi le père les maltraitait et tout, et lorsqu'il y a eu la visite de la DPJ, ils ont vu chambre des enfants, bibliothèque, ordinateur, lit, jouets pour les enfants, il y a tout, le frigo rempli. L'enfant va dans une école, fait du sport, aucune trace. Alors, non, mais vous savez, il n'y a pas seulement les abus physiques, il y a aussi les abus psychologiques. L'enfant peut dire, ben, j'étouffe, j'ai envie de me suicider, j'ai pas à vivre. Tout le monde, tous les jeunes de mon âge, c'est une fille, elle va dire, tous les jeunes ont un chum. Tous les gars ont une petite amie, une blonde. Moi, parce que les gens voient leurs enfants à l'école publique, ben, c'est normal. Ils baignent dans une culture, dans un environnement. Alors, en 1979, la loi sur la protection de la jeunesse fait passer les enfants d'objets, c'est-à-dire c'est les parents qui les façonnent, qui les éduquent, qui leur donnent leur vision du monde et tout, à des sujets de droit. Alors, on ne peut plus décider sans les consulter. Mais sœur, en islam, tu consultes tes enfants. Et tu les sensibilises à tout, tu les prépares à la vie.
Mais normalement, l'autorité, elle revient à Rabb al-Usra. C'est l'asl de l'islam. Sauf que ici, dans le contexte dans lequel tu vis, tu dois être conscient que tu viens t'installer dans un pays, dans une province, pour être plus clair, où est-ce qu'il y a ce facteur historique et cet état de la loi. Maintenant, la loi, est-ce qu'elle a changé depuis 40 ans? Oui, elle a changé plusieurs fois. Mais il y a deux dates charnières que vous devez retenir, voilà comment on vit. 1984 et 2006. Pourquoi ces deux dates? Rapidement. À partir de 1984, il y a une décision rendue en Cour suprême, le plus haut tribunal du Canada. Alors, dans ce cas-là, les cas des mineurs qui avaient commis des délits criminels ne sont plus envoyés au DPJ, mais ils sont traités comme des jeunes contrevenants, comme des jeunes criminels. Là, il faut que les gens expliquent ça à leurs enfants. C'est sûr que maintenant, le gouvernement Trudeau a changé la loi du gouvernement Harper, qu'il est traité comme des adultes. Donc un jeune qui commettait un meurtre à 13 ans était considéré comme un adulte sous Harper. Sous Trudeau, maintenant, c'est changé. Sauf qu'ils sont toujours renvoyés aux criminels et non pas aux DPJ. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la même année, en 1984, il y a une autre décision. Un autre changement, excusez-moi. Ce changement-là, c'est quand la loi a été modifiée pour reconnaître que les parents, que les parents ont la première responsabilité des enfants. Et c'est ce qu'on appelle le principe de primauté parentale. Et c'est ce qui va être changé l'automne prochain. L'automne prochain, cette primauté parentale va être retirée. Elle a été modifiée en 84 pour vous donner en tant que père et mère cette primauté quant à l'éducation de vos enfants, quant à la prise de décision. L'automne prochain, alors c'est pour cela que dans le numéro 4, le quatrième point, faudrait qu'il y ait une mobilisation. Faudrait qu'on participe, faudrait pas qu'on soit simplement passif, avoir sinon... Soit tu participes, tu es actif, soit d'une certaine manière tu ne peux pas être passif et subir. Alors, la DPJ va par des mesures d'encadrement tenter de protéger l'enfant de sa famille. Mais si ça ne fonctionne pas, elle va le confier à la famille élargie. La famille élargie, on parle toujours de la famille biologique. Alors, si c'est impossible, à une famille d'accueil. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, avant même le changement de la loi, c'est même pas appliqué, pour vous dire. Et je parle en connaissance de cause, parce que je suis sur le terrain. Ce que dit la loi, on va consulter les parents, on va voir dans la loi. Ensuite, on va essayer de trouver la famille élargie. La plupart des Maghrébins, quand ils viennent ici, il n'y a pas de famille élargie. Il y a le père et la mère et c'est tout. Leur famille, c'est en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Donc, pour eux, ils balayent du revers de la main. C'est cette étape, normalement, qui est essentielle dans la loi. Alors, dans tous les cas, la loi dit qu'on ne peut ignorer les parents. Jusqu'à présent. On ne peut les ignorer parce qu'ils sont étroitement associés au traitement du dossier. Wallahi, moi j'ai des dizaines de cas où les parents viennent me voir et disent « on ne sait même pas ce qu'ils font ». Et les parents ont peur, on ne sait même pas, ils ne nous parlent même pas. On n'a pas vu notre fille, notre fils depuis 2 mois. Mais la loi, c'est ce qui est écrit sur la loi, c'est bien beau. On dit « subhanallah, ça donne quand même des pouvoirs aux parents et tout, mais dans la pratique, il n'y a rien. En plus, ils veulent la changer. Ensuite, la deuxième modification, deuxième date charnière, 2006, on a introduit dans la loi l'importance, et faites très attention, ça c'est grave, d'élaborer un projet de vie. Je vous dis grave, il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui disent qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Un projet de vie, c'est bien beau, on fait un projet de vie pour l'enfant. Et regardez, on ne peut pas être contre la vertu. Les jeunes qui ont témoigné, ils ont été abusés sexuellement par leur père, par leur mère. Vous savez, en France, l'âge du consentement sexuel a été changé pour 15 ans, mais en cas d'inceste, 18 ans. Ben, c'est parce que ces gens-là, dans leur société, arrêtons de jouer à l'autruche, il y a l'inceste, il y a les abus sexuels contre les mineurs, c'est la culture, je ne veux pas dire dominante, mais ça existe. Chez nous, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement minoritaire. Grande différence entre une société qui est encore marquée par le religieux et une société où il n'y a plus de repères, où les valeurs
ne sont plus des valeurs basées sur la révélation. Je sais que, parce que je parle en français et que je suis en direct, certains vont dire, bah, toujours il est en train de, d'avoir une vision. Là, M. Charkaoui, toujours en imam controversé, a une vision ethnocentrique. Ce n'est pas une vision ethnocentrique. Moi, je parle de fait. La France vient aujourd'hui de décider que l'âge du consentement sexuel doit être rehaussé à 15 ans et que, bah, il vient d'être fixé à 15 ans, et que dans le cas de l'inceste, à 18 ans, parce que c'est une problématique. Et les jeunes qui ont témoigné, bah, ils se sont plaints qu'ils ont été abusés sexuellement ici au Québec, et ils disent qu'il faudrait absolument qu'il y ait un projet de vie. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce qu'on appelait à l'époque l'enfant téflon. C'est quoi l'enfant téflon? C'est un enfant qui est placé à gauche et à droite dans une famille d'accueil 1, la famille d'accueil 2, famille d'accueil 3, et il est rejeté par tout le monde, il n'a plus de repères. Alors, qu'est-ce que le projet de vie? Maintenant, il y a une décision en 2006 qui a fait jurisprudence. Et, subhanallah, quand je dis elle a fait jurisprudence, elle est devenue comme la norme. Vous savez, dans le common law au Canada, la jurisprudence est importante. Les décisions rendues par les tribunaux précédents servent toujours de repère pour les autres juges. Alors, ils ont été placés dans une situation. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Est-ce que c'est le directeur de la protection de la jeunesse, le DPJ, doit se poser comme question, est-ce que je dois tout faire pour réinsérer l'enfant dans sa famille biologique, soit élargie, soit son père et sa mère, ou bien je dois tout faire pour donner préséance à l'attachement psychologique? Donc, en 2006, autre date charnière, il a fallu décider, est-ce qu'on laisse l'enfant dans sa famille biologique ou bien on donne préséance à la famille d'accueil, l'attachement psychologique. Et ce qui a été privilégié, c'est la parenté psychologique, c'est la famille d'accueil et non pas la famille biologique, 2006. Donc 2006, la date charnière 2006 a changé ce qui a été décidé en 1984. Maintenant, je parle pas au niveau de la loi elle-même, je parle de l'application de la loi. Et comme dans le common law, la jurisprudence a une importance cruciale, la loi elle est là, mais c'est comment on l'applique. Mais ça, dans nos pays d'origine, ben, ils se soucient même pas de la loi. Ici, la loi encadre normalement le comportement des fonctionnaires. Mais il y a aussi l'application de la loi par les fonctionnaires selon l'interprétation non pas du législateur, mais des tribunaux. Parce que les tribunaux, ils ont des balises, les chartes les chartes de droits et libertés, n'est-ce pas? Le respect des droits de l'individu. Maintenant, chapitre 2. Qu'est-ce que dit le chapitre 2 de la LPJ? Principes généraux et droits des enfants. Vous avez l'alinéa 2.2. 2.4, les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi, tiennent compte lors de leurs interventions de la nécessité 1. De traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie. Wallahi, j'ai des parents qui sont venus voir en pleurs, en sanglots, qui ne savent pas quoi faire. Il me dit, il nous parle sur un ton méprisant, comme si on était des criminels. S'assurer que les informations, les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent être en termes adaptés à son âge, à sa compréhension. Moi, j'ai des jeunes à qui on a menti. Troisièmement, s'assurer que les parents ont compris les informations, les explications. Je vous dirais que les parents n'ont compris ni la loi, ni son application, ni ce qu'ils ils sont dans l'angoisse, ils ne savaient pas ce qui les attend. Quatrièmement, de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leur point de vue. Ok, on le fait d'une manière mécanique. Avez-vous quelque chose à ajouter? La personne a peur même de parler. Cinquièmement, de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence. Rapidement, on a des enfants qui sont placés dans des centres, dans des familles et qui attendent pendant des mois. Maintenant, il faut prendre en considération les facteurs suivants. Écoutez-moi bien. A.
la proximité de la ressource choisie. On ne va pas placer dans une famille, lui vient d'Algérie, on le place dans une famille qui vient de Haïti. J'ai plus encore. Ok. La première des choses, les parents me disent, mais moi, ma fille, elle est en train de manger le khinzir, du porc. J'ai un cas d'une fille qui est emmenée à l'église dimanche matin. Et la famille d'accueil se bat, maintenant la famille d'accueil a le droit d'être entendue aussi. Ils se battent, ils disent pour nous, c'est une bonne chose, on lui donne des valeurs. B, les caractéristiques des communautés culturelles, ce n'est pas respecté. C, les caractéristiques des communautés autochtones. Pourquoi ils parlent des communautés autochtones? Parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui rapportent qu'il y a une surreprésentation des enfants autochtones et des enfants haïtiens. Et qu'il y a, même l'ancien directeur de la commission des droits de la personne a dit, j'ai failli à mon devoir à enlever le profilage racial dans la DPJ. Alors, qui cible plus les autochtones et les noirs, haïtiens notamment. Vous savez, on n'a pas encore d'études, de recherches, de statistiques en ce qui a trait à la communauté maghrébine. Je dis parce qu'eux, ils ne parlent pas en termes de religion. Ils parlent en termes de communauté culturelle. Mais quand tu fais le regroupement maghrébin, pakistanais, tu peux d'une certaine manière avoir une idée. Est-ce que les musulmans sont ciblés ou ne sont pas ciblés? On s'en surreprésente, pour ne pas utiliser un terme connoté négativement. Alors, troisièmement, les décisions prises en vertu de la présente loi doivent être dans l'intérêt de l'enfant, dans le respect de ses droits. Pas de problème, mais ils disent qu'il faut prendre en considération les besoins moraux, intellectuels, affectifs. Donc quand tu le coupes de sa famille biologique, c'est sûr que tu ne prends pas en considération les besoins affectifs et physiques de l'enfant. Alors aussi son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Et toujours ils ajoutent, dans le cas d'un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. Ceux qui peuvent prendre des notes, je vais envoyer via le collectif canadien anti-islamophobie une pétition. Parmi les choses qu'on doit demander, c'est que l'identité culturelle et religieuse des enfants musulmans doit être respectée. Et on doit militer pour cela. Ne serait-ce que devant le cas des cas urgents, parce qu'on a des cas urgents, et on peut se mettre tous ensemble, avoir des avocats et défendre ce point précis. Numéro 4, toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans ce milieu familial. Ça c'est le 4, et ils veulent changer ça. Alors, le numéro 4 est très important. Numéro 7, avant que l'enfant soit transféré dans un milieu de vie substitut à un autre, les parents de l'enfant de celui-ci, s'il est en mesure de comprendre, doivent être consultés. Alors, les parents doivent être consultés. Les parents ne sont jamais consultés. Ils sont avisés, ils sont informés et non pas consultés. Il n'y a pas de consultation. On leur retire leur autorité. Alors, rapidement, il y a une commission spéciale sur les droits de l'enfant qui a été menée à travers le Québec. Vous savez, je pense qu'au niveau de la communauté, il n'y a pas eu de participation. Tout ça, elle s'appelle la commission Laurent. Elle a vu le jour lorsque le Québec a été secoué par la mort tragique de la jeune fille à Granby. Tout le monde a entendu parler de ça. Alors, de octobre 2019 à mai 2020, il y a eu 276 témoignages. Il y a eu des audiences publiques. Il y a eu 42 forums tenus dans diverses régions au Québec. 225 mémoires, communauté musulmane absente, auprès de la commission. Et 1600 appels et messages reçus. Alors, ce qui a été décidé, je dirais la réforme phare, est-ce qu'on doit conserver la famille biologique à tout prix? Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, cette question de la famille biologique. Là, vous avez des jeunes qui sont passés par les méandres d'un DPJ qui disent « On nous a rendus dans notre milieu d'origine et on a été abusés. » Et ces gens-là, ils militent et ils ont raison de militer contre ça. Sauf que leur contexte n'est pas comme le nôtre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ceux qui militent pour ce changement-là parce qu'ils ont été abusés et on les a rendus dans leur milieu où ils ont été abusés de nouveau. Alors, eux, ils disent ce va-et-vient entre famille biologique et les autres familles, faudrait privilégier l'attachement psychologique, la famille d'accueil. Alors,
Ce que je vous dirais, ce que je peux vous dire, c'est que la commission n'a pas encore tranché aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont laisser l'enfant avec ses parents biologiques à tout prix, ou bien ils doivent le placer en famille d'accueil. Mais déjà, un article qui a été publié le 23 mars, et qui m'a poussé à faire cette conférence, dans cet article, ils disent qu'avant même le rapport final, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ce rapport Laurent, le gouvernement a déjà amorcé un changement de culture. Alors, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce, un, la nomination de Catherine Lemay, qui va agir à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse, et elle va entreprendre une réflexion qui va porter sur la loi qui l'encadre, le rôle des tribunaux, blablabla. Et aussi, elle va avoir le statut de sous-ministre de la nouvelle direction. Donc, autre chose qui nous intéresse, c'est qu'un des éléments, article 23 mars, la presse, 2021, un des éléments qui pourrait être modifié est la notion de primauté parentale. Dit M. Carman, le ministre actuel, il faut que ce soit le bien-être de l'enfant qui prime. La science nous montre que les choses ont changé. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une famille biologique. Il faut que l'enfant soit placé dans un environnement aimant. Donc, un, nous, ce qu'on doit, sur quoi on doit militer pour que la famille biologique ait toujours son importance. N'est-ce pas? Deux, l'identité religieuse et culturelle doit être respectée. Si tu enlèves un enfant d'une famille musulmane, il faudrait à tout prix que tu le places dans une famille musulmane. Et c'est notre rôle, dans chaque quartier, dans chaque mosquée, dans chaque centre communautaire, d'avoir une liste de familles prêtes à prendre ces enfants-là. Il faudrait que ça se passe. Il faut qu'on lance la pétition, il faut qu'on lance à travers les différentes régions, qu'on s'organise. Là, quand ils vont retirer une famille, il faudrait qu'on soit apte à communiquer avec eux pour leur dire « Ah, à Cartierville, on a telle famille qui s'en prête. À Rosemont, on a telle famille. Si vous voulez que vos enfants, la Qabdallah, ne soient pas placés dans des familles autres que musulmanes. » Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire, il dit n'importe quoi, il veut islamiser la DPJ. N'est-ce pas? Je vais vous demander d'aller voir les directeurs et les directrices de la protection de la jeunesse de 2019-2020. Allons-y voir les directeurs à Montréal. On a deux noms. Assunta Gallo, Montréal, clientèle francophone et allophone. Numéro de téléphone 514-896-3100. Ça, c'est le directeur pour les allophones et les francophones. N'est-ce pas? Ok. Là, on a Linda Si. Montréal, 514-935-61-96. Son numéro de téléphone, c'est la directrice. Clientèle anglophone et juive. Fin de la présentation. Donc si on me dit que tu veux islamiser, je ne veux pas islamiser. Je veux tout simplement qu'il y ait justice dans le traitement de nos enfants. Si vous retirez les enfants musulmans, il faudrait qu'ils soient placés naturellement dans des familles musulmanes parce que c'est la demande de la communauté et la demande non pas de l'humble serviteur, mais des parents majoritairement. Donc je vais vous envoyer à travers le collectif le lien pour la pétition. Ensuite, on commence à travailler sur les familles. Wa dhalika adhafu al-iman. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.